va vendre la weed. On va vendre la weed. On va vendre la weed. On perdra la weed. On perdra la weed. Je suis gang pour la famille, on est baigné. Je suis venu tout droit comme un 46. T'étais pas ready quand j'ai sorti le liquide. Cagoulé armé dans la berline. Quitte à prendre 10 ans en ferme, je ferai tout ça pour mes frères. On a vécu dans la détresse, mais plus rien nous arrête. Du trafic des kilos de mèze qui s'écoulent en une semaine. On est ready, go fast point A, go fast point B. On est validé, Black Mafia souvent fou dans la berline. On est ready, go fast point A, go fast point B. On est validé, Black Mafia souvent fou dans la berline. Scorpio, cette personne a insinué qu'elle est au courant des donuts vendus en supplément. Apparemment, il y a 4 employés qui ont parlé d'après de ce qu'elle me dit, comme quoi je rajouterai quelque chose dans les menus. Là, Carmela est en train de m'envoyer des mails pour un licenciement. J'ai tout envoyé par mail, histoire que tu as le contexte, mais en gros, elle met sur la table l'histoire où tu m'avais défendu pour le food truck, quand t'avais dit que je m'étais ressaisi et que tu m'avais trouvé un toit. J'espère que tu arriveras à faire quelque chose parce que ça tient à des rumeurs pour le reste. Miskin s'est fait virer. Hamid, fais attention, j'ai vu que Carmela demande à Jimmy, Lily, Sophie et James si les serveurs disaient des trucs bizarres, s'ils ont déjà vendu autre chose que les menus. Elle a précisé la drogue. Carmela, je vais la virer, wesh. Passe les couilles, elle. Vous emmène. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Hein? Non. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois baiser non. Qui, là? Qui je dois baiser, là? Non, sors. C'est qui, ça? C'est qui cette non, pierre, là? T'inquiète, on va... C'est Djibril, non? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, là, toi? Sous des bah on est en rendez-vous pour un remboursement. Ouais, sors, les deux sortez, okay, bande de rats, sortez d'ici, wesh. Ça va, Mathieu? Dégage. Je procède à un remboursement. Sors. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ce rat dégoût, là. Salam. Ouais, il est comme Salam, Roya. Ça va ou quoi, Roya? De l'aide, toi. Ouais, si toi ça va, moi tu ça va. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Je suis au Burger Shop. Mais moi aussi, je suis derrière toi dans la cuisine. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je veux, je prépare. Voilà, Scorpio, il s'est fait virer. Ah oui. J'arrive. Viens dans mon bureau, Roya. T'as vu le message que je t'ai envoyé? Oui, Roya, j'ai vu. Ouais, donc moi je fais attention, Scorpio a été viré. D'accord, apparemment 4 personnes lui ont dit à Carmela qu'ils lui ont vendu de la drogue. Et en fait 4 clients ont dit que Scorpio leur avait vendu de la drogue. C'est ça. Ok, attends, je vais appeler Carmela. Carmela, elle prend des décisions sans m'en parler, elle. Elle a cru que c'était elle la patronne. Attends, après, toi t'es pas au courant. Vas-y, on va te l'appeler. Vas-y. Les Condé, les flics, ils sont venus un soir. Ils m'ont dit oui, bonsoir. Oh, starfallah. Est-ce que monsieur Khanez est présent? Starfallah. Il est 19h, j'ai dit bah non, j'ai essayé de gratter des infos, tu vois. Putain, faut baiser qui, Roya? Faut baiser qui, dis-moi. Ramène les gilets. On doit en acheter ce soir. Roya, comment ça les keufs? Ils veulent quoi? Ils sont venus, j'ai essayé de gratter, ils m'ont dit ouais, non, c'est pas très important. Ils veulent quoi? Je sais pas. Et ah oui, juste avant, j'étais au Beniz. Apparemment, t'as coupé les cheveux d'une meuf. Ouais, c'est pas vraiment une meuf, hein. Ouais, bref. C'était Rachida. Ouais, Rachida, tu sais, elle m'a dit quoi? Elle allait porter plainte. Quoi? Ou pardon, excusez-moi. Voilà, il y avait ça. Ensuite. Mais il est rentré comme un Tamagotchi, lui. Ouais, ça, c'est ça. Ça va les mecs bien tranquilles, quoi, in there? Who did that? On fait le compte rendu. On fait le compte rendu, Roya. Hamid, c'est un bon de ouf. Matin, midi, soir. Oh, là, on a aussi un peu travaillé hier. On a rempli le coffre. Mais le bonheur Ralph Lauren, moi, c'est tout ce que je vois, là, Roya. Tiens aussi. T'as vu? Ça paye, hein. Ça flingue. Tiens, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Non, pas l'argent. Non, l'argent, j'ai rien, moi. D'accord. Ça me donne quoi, regarde. Waouh, merci la clé. Wouh. Ouais, c'est des clés de chez moi. Wouh. En fait, oui. Bon, attends, je vais t'expliquer. Bah, viens, montre-moi chez toi au lieu de parler. Okay, viens. Ok. En fait, je me suis dit, il faut pas tout laisser dans le coffre. T'as raison, regarde, t'as raison. Monsieur, madame. Oh, pardon. Vous avez un chat sur l'oreille. Jure. Caddy. J'ai un chat sur l'oreille. Oui, madame. Ça va quoi, Caddy? Yo, tranquille, et toi? Tu travailles sur Burger Shot? Bah, oui. Ça me dégoûte. Quoi? C'est quoi les histoires que t'as balancé sur Scorpio là? Ouais, c'est moi, ouais. De quoi j'ai balancé? T'as balancé quoi sur Scorpio? Comme quoi, Zerma, ils vendent de la drogue, je sais pas quoi. J'ai rien balancé du tout. Arrête de te foutre de ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une photo compromettante de toi, ta bouche grande ouverte en train de parler à quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, si tu le dis, ok. Bah, non, c'est pas moi qui le dis, c'est Scorpio. Arrête. Bah, Scorpio peut dire ce qu'il veut, j'ai rien balancé à personne. T'as rien balancé à personne? Bah, ouais. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des hérissons sous les aisselles ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des hérissons? Pourquoi il a été viré, alors, Scorpio? Alors, pourquoi il a été viré? Vas-y, je t'écoute. Mais je sais pas. Tu sais pas. Oh, je vais péter un câble. Je crois que je vais balancer un C4 dans le burger shot là. Je crois que je vais tout détruire là. Hamid, ramène un tank, croyez, j'en ai marre.
Pas de problème. Scorpio, il a été viré avec des fausses rumeurs. Comme quoi, Zerma, les employés, il l'aurait balancé en mode Scorpio, ils vendent de la drogue, donc Carmela, elle l'a viré. Oh, donc déjà, Carmela, elle prend des décisions sans m'en parler, ça me pète les couilles déjà. Ça va se fight. Et de deux, en plus, il y a des gens qui me mentent ici. Là, donc ça je vais mener ma petite enquête et celui-là qui ment, je lui mets une balle dans la tête. Vas-y. Papa, Koedin, pas bien ça. Voilà. Ça flingue. Tu peux circuler, Kadi. Circule. Tu peux circuler, Kadi. Vas-y. Allez, venez. Vas-y, venez. Les gens, ils me prennent pour un con. Moi, je pense que Hamid, il est suspect. Non, il me prend pour un con, là, je te jure. Oh, l'habit est beau. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Oh, Mathieu, il est beau. Non, là, je suis dans une humeur maussade, croyant. Il est parti où? Il est parti en bas, là. Oh, ça va plus vite. Oh, ça va. Il est tombé putain. Comme n'importe quoi, moi aussi, oh putain. C'est là. Entre son. Discret. Oh, c'est stylé. Allez, viens à côté de moi. T'as taillé ta barbe, non? Ouais, je l'ai taillé. Mastrot. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment? Mastrot. Elle s'appelle comment? Kadi. Tu te fous de ma gueule là? Non. Oh. Roya, Kadi, Roya, elle a la tête de Sonic après le Covid. Roya, tu me parles. Oh, les gamins. Je suis d'accord, mais c'est elle que j'ai acheté. Ah ouais, tu l'as acheté combien déjà? En fait, au final, elle m'est revenue à 5000 parce qu'elle m'a dit c'est bon, tu peux garder l'argent. Attends, t'as acheté une meuf là ou je Hamid l'Albanais, Roya. Attends, Ibrahim, il a de la concurrence, Roya. Attends, je vais le dire. Il a acheté une meuf? Oui, il a acheté Kadi, la meuf là. T'as vu, regarde là. Le corps. Starfall, une tête de pneu dégonflé, Roya. Quoi, tu? Ouais, Brahim, ça va quoi, Roya? Ça va et toi, frère? Toujours à la pêche? Non, c'est bon, la pêche, c'est fini. Roya, il y a de la concurrence pour toi en ville. Il y a Hamid, il a acheté une meuf. Et normalement, c'est les bails d'Albanais, ça, Roya. Il a acheté une meuf? Voilà, il a acheté une meuf, 5 000 $, Roya. Alors lui on va s'expliquer. Eh, Roya, mais voilà, même sur le bon angle, personne ne la voulait, Roya. Mais non. Je te jure, 5 000 $. Voilà, il l'a acheté, c'est un pigeon. Putain, mais j'aurais dû acheter, j'ai même pas vu, oui. Bah ouais, Roya, tu fais quoi là du coup? Truc de fou. Bah là je suis au 24-7. J'ai commencé à travailler au 24-7. Ça flingue. Ah, t'as arrêté la pêche? Ouais. J'ai mis une annonce, j'ai mis ramenez vos gros hucs au 24-7. Ouais. Et là, il y a beaucoup de clients qui sont venus. Vas-y, bah on va venir, on va pas se dire le salaire. Vas-y. Ah, là, ça me fait plaisir. T'es mal à Kistan, ouais. Mais maintenant, les gars, faut trouver des petites mains qui revendent tout ça. Et on va se faire un terre-terre. J'ai peut-être une zone pour nous, Roya. La zone du Burger Shot, c'est à nous, Roya. On va trouver le route. J'ai peut-être quelqu'un pour déjà. Vas-y, appelle. J'aime bien. En fait, non, il a postulé déjà au Burger Shot. C'est qui? Zaki. Moi, je voulais dire Zaket, tu es ouf. C'est Ziyak? Non, ouais, Ziyak ou Zaki. Voilà. Bon, du coup, Ami, t'as vu notre QG à nous? Ouais. Le QG port, il est full aussi de Khanezita et... Voilà, mais faut vendre, Roya, maintenant, faut écouler le stock, Roya. Et au nord, le labo rempli de... Sérieux? Oh, c'est une dingue. Ah, ouais, vraiment, on a... Ah, on a bien charbonné ou pas? Hamid, à mon avis... Ouais. Faut qu'on trouve un mec, un semi-grossiste ou un grossiste qui nous rachète tout ça. Moi, on m'a dit, il y a un mec en ville... J'en connais un, c'est bon. Tu es où, là? Bon, là, je le connais. Bah, viens, on y va. Ouais, non, t'es sûr que tu veux y aller? Roya, t'inquiète. T'es vraiment sûr que tu veux y aller? Bien sûr que je veux y aller, Roya. Qu'est-ce qu'elle est, hein? Parce que c'est un mec top secret, vraiment. Ça, ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. On y va au repérage, au début, on y va sans cargaison, après on va discuter avec lui. Non, viens, on y va, Roya, on y va full chargé, on lui vend tout ça. Quoi, d'un coup? Ouais, d'un coup, full chargé, Roya. J'adore les risques, toi. Moi, j'adore les risques. Moi, y'a pas de problème. Vas-y, on sort la mule et tout, hein. Vas-y. Allez, go. Elles sont à côté. Attends, y'a pas une mule qui est déjà chargée ou pas? Non, elle est pas chargée. Non, elle est chargée en joint, pas en truc. Oh les gars, j'ai un bon LSHD, un bon mécano. Si vous travaillez bien, je vous donnerai les bons. Allez, je suis un mec bien. Merci. Ok. Et ouais. Attends, c'est Carmela là-bas. Attends, j'arrive. Carmela, t'es énervée? Hein? Carmela, t'es énervée? Non. Je sais pas, tu donnes des coups de poing. Oui, non, je sais pas. C'est. Viens, faut qu'on parle, s'il te plaît, dans mon bureau. Ah, bordel. Oh, moi, je suis un mec vénère. Ah bon? Ah, je suis un mec énervé là. Eh, Carmela, je suis pas content. T'es pas content, pourquoi? Je suis pas content et j'ai lu les messages là, je suis parti 3 jours, on m'a envoyé des mails, des SMS, des je sais pas quoi, Scorpio, mais tout ça. Tu peux me dire si c'est passé pour Scorpio? Scorpio? Ah ouais. Scorpio Gabin? Ouais, Gabin, ouais, Scorpio. Oui, ben alors c'est simple, c'est un truc que j'aurais dû faire partir le moment où on m'a dit qu'il vendait, des stupéfiants. Avec le food truck. Okay, de cette histoire-là, je voulais le virer. Donc, j'ai essayé de passer au-dessus, etc. Voilà. Après, il y a eu de la provocation sur Zoop, qu'il a fait avec la concurrence. Ça aussi, j'ai pas aimé. Et trop de témoignages. Trop de gens qui me disent qu'il fait des choses qu'il faut pas ici. Et je peux pas. Je peux pas. Ouais. Mais du coup, tu t'es basé sur quoi pour le virer? Ouais, va manger une tarte. Sur principalement l'histoire du food truck. Ouais, enfin, c'est principalement cette histoire-là. Putain, va se manger une tarte, mon pote. Ça part de là, mon pote. Putain, il fallait pas le virer, putain, Carmela. Il fallait pas le virer.
Mais pourquoi? Parce que c'est mon petit, il a pas de famille, il a rien du tout. Il vit dans une caravane. Maintenant c'est un SDF. Mais non, c'est pas parce qu'il a plus de drogue. Non, écoute, Carmela, écoute. Là, tu me parles de gabin, vente de drogue. Ok, je t'entends. Mais t'es au courant que ton mari, il m'a braqué, moi, et Tobias avec une calache? Mais moi, je savais. Mais d'accord, tu m'as dit. Mais voilà. Je pense que personne savait qui l'un pour l'autre on était qui. Tu vois ce que je veux dire un peu? Si, il t'aurait pas braqué si il savait que t'étais mon patron. Tu rigoles ou quoi? Il travaillait ici, il savait très bien que c'était moi le patron. Mais il t'avait vu? Mais bien sûr, on a discuté ensemble Burger Shot, il savait qui j'étais. Il était en tenue de Burger Shot? Eh ouais. Oh d'accord. Et arrête de le défendre, putain! C'est pas parce que c'est ton mari que tu dois le défendre à chaque fois! Mais c'est quand même un petit peu, en fait. Putain! C'est un peu parce que tu m'énerves, là! Tu m'énerves, là, Carmela! Tu prends des décisions sans... Tu prends des décisions sans passer par moi! Tu demandes même pas! Est-ce que je peux le virer? Je te jure que là, j'étais obligée de le virer. Pourquoi t'étais au virer? On t'a mis un flingue sur la tête? C'était plus fort que moi, j'étais obligée. Ah, je supporte pas, tu sais très bien, j'aime pas les trucs comme ça. Ouais, et ton mari avec une calache, tu supportes? Si je le virais pas, je me sentais pas bien. Attends, ouais, j'aurais psychoté. Oui, et ton mari avec une calache, ça te dérange pas, ça? Non, mais si, mais... Le burger, tiens, y a personne qui fait des bêtises ici, tu vois ce que je veux te dire? Mais tout le monde fait des bêtises, même toi tu fais des bêtises! Mais non... Regarde, t'es habillé en petite tenue, c'est une grosse bêtise, ça, déjà! Je viens d'arriver, en fait, d'accord? J'ai même pas mis ma tenue de burger shot. Non, là, non, c'est trop, Carmela, là, je suis déchaîné ce soir-là. Là, c'est trop, là. Bordel. Tu te frappes pas. C'est pas des frappes. C'est des caresses marocaines. Oui, mais je... Je suis pas content, Carmela. Scorpio, il est dans la rue, maintenant. On fait comment, maintenant? Vas-y, on trouve une solution, vas-y. On trouve une solution, on va aller trouver un travail ailleurs. Quoi? Je vais le faire embaucher ailleurs. Tu vas le faire embaucher où? Je sais pas, on va trouver. J'ai des contacts. Attends, je réfléchis. Donc toi, tu verras les gens pour trouver du travail ailleurs. C'est bizarre, comme fille. Mais il a qu'à travailler au Crucial. Au Crucial? Pourquoi? Non, chez la concurrence. T'es malade, toi, quoi? Eh, il peut être un atout. Carmela, tu veux la quatrième? Je lève la main, attention, ça va partir, attention. Non. Il peut travailler. 24-7, il serait bien 24-7, ça peut être sympa petit pour lui. Carmela, j'aime beaucoup ce que tu proposes, d'accord? Oui. Mais la prochaine fois que tu verras quelqu'un, tu passes par moi d'abord, d'accord? Parce qu'après, les gens, ils pensent que c'est toi la patronne. Après, bon, quand je dis c'est moi le patron, ils me prennent pour un clown. Ils savent plus qui, en fait. Ah bah oui. Tu vois, par exemple, toi, dans le couple, t'es la femme. On va jamais te confondre avec ton mari. Ah bah non. Eh bah voilà. Eh bah moi c'est pareil. Oh, bon, quand les gens ils rentrent au Burger Shot, faut pas qu'ils se confondent avec moi. Et faut pas qu'ils se confondent aussi avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est que c'est moi je gère beaucoup aussi. Ok, c'est normal que les gens ils se comment ça se dit? Ils se trompent. Tu gères quoi? Tu vends combien de menus s'il te plaît? T'as vendu combien? Mais oh là là. Tu sais combien de menus moi j'ai vendu moi? La dernière fois c'est qui a ramené le mec du Bahamas jusqu'au Playboy Mansion ou je sais pas quoi là? Bah oui, mais sauf que le but... Bah non, il m'avait déjà contacté avant toi. Ouais, mais t'étais pas là. Ah ouais. Ah ouais, moi, ils m'ont contacté. Eh ouais, pendant que madame est en train de ken avec une calage dans un lit, Mathieu, il est en train de servir des burgers. Eh ben, même pas, parce qu'en fait, ce qui m'est arrivé, c'est qu'on m'a mis un coup sur la tête et puis je suis tombée par terre, d'accord? Et j'ai pas pu aller à l'événement. Quoi? On t'a mis un coup sur la tête? Oui, j'avais rendez-vous avec une madame pour un partenariat. Ouais, c'est ton mari, il est parti trop fort et puis c'est tout, quoi, ça arrive, hein? Non, c'est même pas vrai, bon, c'est même pas vrai. Hamid, en tout cas, c'est qui le meilleur vendeur? Vas-y, dis-moi. En vrai, actuellement, là, le meilleur. C'est pas Hamid? Non, je crois pas que c'est lui, hein. Quoi? Non, je crois que c'est Moussa. Moussa? Je l'ai jamais vu. Ou alors c'est peut-être Moussa et Hamid les deux. Ah, voilà. Moussa et Hamid les deux. Oui, mais Hamid il fait bien, il fait pas mal. Bah tu vois. Oui. Et Hamid c'est lui qui l'a ramené. Eh ouais, Carmela. Pendant que toi tu... Et en plus je vois en plus, alors là c'est la meilleure, tu vires des gens, mais après tu recrutes des gens, tu cherches des gens pour... Tu sais, t'es schizophrène Carmela, là. Je connais un bon psy si tu veux. Mais j'ai fait des tests. Et tu sais que c'est des apprentis, les petits nouveaux. Oui, donc, bah oui, je sais. Peuvent ne t'as recruté des gens là ou pas? Bah alors, je crois qu'il y en a un, oui. Oui, hein. Et normalement, il faut que je parle avec Moussa parce qu'il a dit qu'il y a des gens qu'il a vus en entretien. Donc je sais pas trop. Ok. Bah, j'aimerais bien des filles un peu. Mais ouais. c'est vrai que les filles ça manque. Bah oui. Ouais. On en a deux, je crois, mais on les voit pas beaucoup. Ouais, enfin, Kadi, ça compte pas. Hein. Oui, voilà, j'ai cru comprendre. Kadi, elle est aussi féminine qu'un joint de culasse, hein, on va pas se mentir. Hein. Je te jure, je préfère me taper un joint de culasse que Kadi. Hein. Je crois que c'est elle qui m'a dit qu'elle avait pas de fesses, que les gens lui disaient qu'elle avait pas de fesses. Mais c'est vrai, elle a pas de fesses. Je crois que c'est elle. C'est une planche à râper, tu mets du fromage, ça donne du gruyère. La pauvre, mais tu sais qu'elle veut faire du sport à cause des gens qui disent ça. Mais non, mais...
Oh, ah, pardon. Excusez-moi. Ah bah voilà. Et bah voilà, les énergumènes, voilà. Ah bah voilà. Hamid, le meilleur vendeur. Bonjour. Bah voilà. Excusez-moi, ça fait quoi, madame? Bien. Non, on parlait de Kadi, ouais. et de son cul. Roya, elle est plus plate que de l'eau, Roya. C'est grave. Ah oui, je donc te ça, jure. Les rendez-vous professionnels? Non, on parlait de Gabin, on parlait de Scorpion, mais Mesken. Oui, oui. Ah oui. Mesken, ah, il a été viré, Mesken. Ouais. Mais t'inquiète, on s'est arrangé avec Carmela, bah. elle a été très très compréhensive. D'accord. C'est ça qui me fait plaisir. Et en plus, vraiment, on a parlé juste avec des mots, pas besoin de lever la voix, les bras ou quoi. Même pas. Attends, t'as dit quoi? J'ai été très compréhensive. Oui, et du coup? Et du coup, bah voilà, on a terminé le rendez-vous, c'est bien passé, on s'est expliqué, c'est parfait. Voilà, et on va lui trouver un autre endroit pour travailler. Ouais. Ah, c'est gentil, vous pensez à son avenir, parce qu'il est vraiment très gentil. Non, mais en vrai, il n'est pas méchant, mais bon. Oui. Hein. Carmela. Carmela. Gracias. Oui, de nada. Moustache, gracias a todos, por favor. Moustache, gracias. Moustache. Moustache, gracias, por favor. Oui. Moustache. Oh, parfait, alors, si tout va bien, c'est bon, les mecs, je vous ai tout. Game of Thrones ou quoi, là? Ah oh là. Hein. Allez, tout le monde sort, c'est parti. Tout le monde sort. Allez, posez d'argent en banque, j'arrive. Quel argent? T'as pas d'argent, croyant. Mais si, j'ai 3000. Quoi? Tu fais quoi avec 3000? Alors, en plus, voilà, je suis en négatif de 4900. T'as pas 2000 $ sur toi, s'il te plaît? Ah, oh, j'ai mal à la tête, croyant, putain. Oh yeah. Alors, t'as pas 2000? Ouais, bon, ouais. On fait ce qu'on doit faire. Hamid, on doit faire la livraison de Icola là, tout ça là. Ouais. Zaki, on se capte plus tard, Zaki. Vas-y, Zaki. Oui. Ah, c'est Zaki. Il a une tête, on dirait, il est bizarre. Skin. Comment ça, je suis bizarre? Et Tobias, c'était notre voisin, il était patron du post-opé à l'époque. Ah. Zaki de la cahier. Regarde, elle est fertilisante, tu l'as mis sur son crâne. Regarde quoi? Oh. C'est quoi là? Ça a mal poussé, voilà, ça a mal poussé. Ah, ça a mal tiré, ça a mal poussé. Tu viens d'où, Zaki? D'Algérie. C'est mort, tu peux pas, c'est mort. C'est mort. Demi-tour slide. Roya, je suis marocain, c'est pas possible, on n'est pas compatible. Bah, Roya, tu prends un Lego et tu prends un autre truc, on peut pas s'emboîter, Roya. Ouais, c'est vrai. Après, on s'en bat les couilles, on va arrêter, on va pas s'emboîter. Ouais. Vas-y, tranquille, tu peux rester. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est bizarre quand même. Zaki, je te recontacte un peu plus tard, d'accord? Vas-y, Roya, force. Ok, vas-y. Ouais, Zaki, on est ensemble, ça flingue, Zaki, c'est fort. Vas-y. Ça flingue. On prend 2000, les gars, c'est bon? Ouais, vas-y. On a assez pour charger 2000, ouais. Ça me fait peur quand tu dis ça, Roya. C'est vraiment. Vous avez fait des dingueries, hein? On a vraiment chargé, dis-toi. Ouais, frère, Roya, il n'y a même pas de place. Allez, voyez, 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 On va vendre la weed. On va vendre la weed. On va de la grosse weed. On va perdre la weed. Bien, pas cher. On lance de la frappe. Et possible que ta mère. Ça c'est sûr, Roya. Mais je suis le meilleur, ouais. Voilà, je vais faire des dingueries, quoi, avec la guitare. Là, vraiment, heureusement que j'ai dit discrétion. Hein. Là, hamdoulilah, tout se passe bien. Alhamdoulilah, ouais, là je roule chill, t'inquiète. Okay. Attends, je vais sauter, mais bon. En fait, faut que tu fermes au bon moment, sinon je saute à l'extérieur, ok? Ah, tu voles. Ouais. Après qu'on a fini ça, 1, 2, 3, ferme. Putain, ouf. Il s'est fait claquer par une porte. Parce qu'il m'a dit la mort nulle. Mais comment Hannes est mort, il s'est fait claquer par une porte. Il s'est fait claquer par une mule. Par une mule. Eh, roule doucement, vous, là, oh. Attends, je vais monter au-dessus. Ah, vas-y. Ferme légèrement. Attends. Attends, vas-y, ferme. Voilà. Hop là. C'est moi le roi du monde, Roya. Roya, on est prêt pour le go fast, Roya. Je suis à 30 km/h, même à trottinette électrique. Wow, ralentis, Roya. Putain, la dégaine. Voilà, j'ai fait une photo, Roya, elle est magnifique, je vous l'envoie après. Ah ouais, vas-y. Putain, ce sera... Je vais mettre sur Zoop, premier go fast. C'est voilà. Un mec, c'est pas... Oh. Hashtag bismillah, hashtag hamdoulilah. Hashtag fuck le speedy.
Hashtag MuslimPro. Ah, oublie pas, ouais, les condés, ils te recherchent, toi. What? Qui ça? Khaled. Moi, pourquoi? Ah ouais, attends, je vais les appeler, attends, je vais les appeler. Continue, ah ouais, faut que je fasse demi-tour. Oh, ils appellent avec un cigare dans la bouche, je crois. Attention, 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 attention. Bonsoir, les Respidés. Oui, bonsoir. C'est Mathieu Khaled à l'appareil, est-ce qu'il paraît? Vous me recherchez? C'est Mathieu Khaled? Ouais, Mathieu Khaled. Demande en radio si Mathieu Khaled est recherché, s'il te plaît. Demande à 40. Ouais, t'as l'air blasé, madame, ça va dans la vie? Non, non, ça va, je suis juste fatiguée. Ah ouais, parce qu'il est fatigué, ouais. Bah, faut dormir au lit de canne en vérité, hein. Eh ben oui, hein. Bah, eh dis les termes. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai, moi je suis un mec, j'adore les magique, risques. Je pense que c'est magique. T'es célibataire? Ah non, ouais, j'avoue, peut-être. Non, du tout. Non. Ah ouais, genre, il y a des célibataires un petit peu et d'autres pas du tout, quoi. Non, bah, je suis pas célibataire, quoi. Tu t'appelles comment ton mec? Ruben. Oh, t'as répondu tac au tac, t'es pas une mytho. Bah, non. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, attends, coup, vite fait, hop là, ouais. Regarde sur le panneau, sur vous. Eh, madame la policière, comment tu rates quelque chose là? T'aurais kiffé que je sois ton mec, hein? T'aurais kiffé que je sois ton mec, hein? Eh, je suis un mec, j'adore les risques! Vraiment, hein? Je fais du durou sur des mules et tout, laisse tomber. Du coup, je suis recherché ou pas? Je vous dis ça dans 2 minutes. Eh, bah, parfait, nickel, parfait, merci. T'es con, ok? Je vous eh, on se connaît pas, mais je vous apprécie déjà. Je crois que je vous connais, hein? Ouais, bah oui, Mathieu Khaled. Aïlé, bah oui. Aïlé, celle qui t'a avec Riggs. L'ex du commandant. C'est quoi cette chose? Donc t'as quitté le commandant pour te mettre avec Ruben. Ouais. Un joueur de foot. Eh bah, fais hein. Derrière, juste derrière là. Oui. Ah, du coup, vous êtes pas recherché? Ah, je suis pas recherché. Non, non. Eh merde. Bon, bah désolé. Vous voulez être recherché? Bah oui, je veux être recherché moi. Bah pourquoi? Pour être en cavale? Parce que je suis un mec, j'adore le risque, moi, c'est pour ça. Ah, bah, oui, actuellement, vous n'êtes pas recherché. Hein. Ok, ça marche. Bon, bah, Inch'Allah, je ferai mieux la prochaine fois, quoi. Ouais, la prochaine fois. Okay. Bon courage. Eh bah, merci, Aïlé, à bientôt. Bah, écoute, normalement, il était là. T'es sûr? Ouais, normalement, il était ici. Appelle les BMF, il doit avoir le contact, c'est sûr, Roya. Vas-y. Appelle les Roya. Après, ça se trouve, Mskin, tu vois, il s'est fait repérer, il a bougé, Roya. Peut-être, ouais, non, peut-être. Vois si t'as le contact et après, on parlera de prix. Ouais. Voilà. Eh, voilà. Dis-lui ton prix est le mien, voilà. Dis-lui. Ton prix est le mien. Voilà, mais c'est toi qui paye, Roya. Ok, vas-y, tiens, rappelle-moi, dis-moi. Vas-y, viens, on bouge ici. Laisse-moi ce soir. Et du coup, pour les gilets, c'est bon ou pas? Les gilets, ouais, on peut le faire. Non, ça mais t'as l'argent? Ouais, faut juste qu'on aille les chercher au port. C'est combien? 6 000 le gilet, j'en ai pris 5. 5, 30 000 alors? Ouais. Ok. Et... Ouais, je l'appelle pour lui dire qu'on arrive dans ouais, 10 minutes. Ouais, 10 minutes en plus, je connais un bon raccourci là, Roya. Et voilà, toujours sur ses pattes, Roya. Incroyable. Et ouais, mon pote. Bon, on va où là, du coup? Faut aller peut-être aider Tobias, non? Wouah, Roya, la mule, elle est en 4 tiers, Roya. On dirait qu'elle est bourrée, la mule. Ah, mais est-ce qu'elle a... On dirait pas qu'elle est bourrée, la mule. C'est chaud, ouais. Oh la vache. Ouais, t'es dispo là tout de suite? Vas-y, ah, envoie-moi une pause. T'es devenu fragile, Roya, là. Oui, tu t'es perdu dans la forêt, ou quoi? Vas-y, à toutes. Moi, j'arrive, j'adore le risque. C'est bon, il va m'envoyer une pause. On peut aller chercher là. Ah là, j'ai regonflé la mule, quand même. Elle s'était dégonflée, le skin. I want to begin in truth, but I don't have money. I want to succeed, but I'm not succeeding. I want to fuck you. Ok, yeah. Let's go. I want to fuck you. Phil, il est là ou pas? Je peux l'appeler, je sais pas s'il est là. Est-ce qu'il a un plan de fou à le proposer? Parce qu'on l'avait pas fait la dernière fois, on l'avait sauvé. D'ailleurs, on a fait un plan de fou, hein. Mais Tobias a fail. Vas-y, explique, Hamid, explique-moi ce que t'as fait. Attends, laisse-moi, je veux les deux versions. Vas-y, Hamid, qu'est-ce qu'il a fait, Tobias? Enfin, quel était le plan et où ça va? Le plan, c'était quoi? Nous, on parle pas pendant le braquage, tout ça. Okay. On est discret, tout ça. On monte avec eux, chacun dans un véhicule. Ils font des petits trucs stylés, comme d'habitude. Ensuite, ils prennent un peu de distance, ils rentrent dans un parking. Il y avait deux véhicules déjà prêts. Nous, on se change, on monte dans les véhicules, on y va. Et les flics nous arrêtent et eux, ils sont libres. Et au final, nous, on a rien à se reprocher. Ok. Il s'est passé quoi? Tobias, malaise. Non. En fait, c'est il a fait un coma, mesquin. Pourquoi? Comment il a fait ça? Vraiment, je sais pas, j'ai rien fait. J'ai un problème. Il est descendu de la voiture. Boum, d'un coup. Mesquin. Oh, diabétique. Pour là, il a fait une crise de diabète. C'est le stress, à mon avis, c'est le stress. Hier, j'ai fait 4 rounds contre les condés. Ah, putain, je croyais contre une meuf. Putain, je dis pas mal, 4 roues, t'es. Ah ouais, un pur sang arabe, je le reconnais là. Ah ouais. Oh, allez.
Tu penses qu'il peut glisser sur combien de mètres? J'espère qu'il est mort. Yarbi, yarbi, j'espère. Oh purée. Putain, attends, 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 attends. Non, vas-y, la voiture. Viens, viens, viens. Ça va, je suis solide. Ah, t'es solide sur les appuis, hein. Solide. Comment ça que tu me veux? Comment ça que tu me veux? Ah ouais, il est agressif, lui. Mais non, j'ai pas la police au cul. Direct, hein. Comment ça, les lumières? Bah, ça va, toi, moi je t'appelle parce que. Est-ce que t'as un plan flicain ou pas? Oh, hop là, esquive. Ouais, il a dit quoi flicain. Ah, mais non. Ouais, plan flicature, on est trois. Tobias? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Enlève la ceinture. Oh putain. Vas-y. Oh, j'aime bien. Oh, oh j'aime non. Bien. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime si, pas. Si, si. Oh, si. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Ouais, cherche. Et voilà, j'ai niqué le délire. Voilà, allez hop. Putain. Voilà, vas-y, va aller chercher la. Ouais, on a vécu, c'est trop bien. Il a fracassé l'ambiance. Ils sont où, Roya? T'en vois là, tiens, je mets la pause. Qu'est-ce non, 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 c'est nous qui donnons le rendez-vous, Roya. Ah ouais? Aéroport du Nord, Roya, aéroport Sandy Shore. Mais Roya, t'as cru qu'on était des pignes ou quoi, wesh? Eh, tu crois, nous, il y a des routes? Oh, c'est loin. T'es un fou, Roya, là, on est yam des fois. Je vais sortir un avion, Roya, pour 4 gilets, Roya, je m'en bats les couilles. vous méritez, les gars, vous méritez, vous avez tout mon respect. Merci beaucoup. Les gars, on se met debout, cigare à la bouche sur le tank. Wallah, il va voir flou. Ça va lui rappeler des images, Roya, de la guerre d'Irak, il va paniquer, Roya. Faut que ça fasse ambiance Hassoul. Explose la voiture. Non, 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 on n'explose rien du tout, Roya. Toi, tu vois, non, non, toi, t'abuses du bail, Roya, non. Non. Non, 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 mais j'ai compris ce que je voulais dire, Zama. Ça fait Zama. Ouais, ouais, Zama, ça fait. Ouais, mais après, on repart comment, Roya? Bah oui. J'adore le risque. Eh oui. Non, non, Tobias, fais pas ça. Hein. Non, je vais pas, t'inquiète. Oh putain. Je l'ai balayé. J'ai jonglé avec lui. Arrête, 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 il va le tuer, arrête, il va te... Oh non. Les gars, c'est quand même 5 gilets, hein, c'est pas... Wesh. Wesh. Y'a pas wesh. Mais attends, mais c'est quoi ça? Roya, c'est Pablo Torrano, c'est Roya. C'est un cargo bug. Ouais, ouais. Tu peux mettre un char dedans ou pas? Non, 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 on va pas essayer, Roya. J'adore le risque. Regarde, il va tester, c'est sûr et certain. Non, 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 Roya, ça va exploser, voilà, ça va exploser. T'as des wana? Eh oui, Roya. Vas-y, t'as raison. Toi, voilà, c'est quoi cette dégaine? Ouais, ils vont flipper. Avec un blanté, avec un. Tede, soy el fuego, papi chulo. Y se ouais. Hola, señor. Big up, big up. Salut les mecs, ça va quoi? Big up. Ouais, big up, big up. Putain, toujours calibré, ganté, gilet pare-balles et tout, c'est lourd. Un vrai tank derrière. Le reconverti dans. Non, non, c'est un truc pliable, c'est un truc que j'ai. Ouais, je me disais quand même. C'est Saddam, il l'a vendu à mon oncle il y a longtemps. Bon, ça va quoi? Ça te dit quoi? Juste là. Non, parce qu'il y a un braquage, c'est rien, c'est tranquille. Vous avez pas peur que... Mais non, moi je suis un mec, j'adore le risque. On fait du paintball les mecs, on n'est pas des brigands. Hein. Comment allez-vous, monsieur? Bah super, et vous? Ah, franchement, je me porte très bien. Alhamdoulilah. Il me semble qu'on est ici pour un petit business. C'est ça, c'est ça. Un échange d'équipement contre un échange de monnaie. Voilà, c'est ça, c'est du troc. De grosses monnaies. De grosses monnaies, de grosses monnaies. Je propose qu'on procède à l'échange. Bien sûr. Je propose que mon gars s'approche pour l'argent et on en donnera les trucs en même temps. Eh bah super, comptable s'il vous plaît. Comptable, s'il vous plaît, la fiche là doit être encaissée. Voilà, merci bien. Monsieur... Tiens, je te laisse recompter sur ton sac. Super. Et vous pouvez apporter les gilets pour monsieur connard de. Avec un petit truc bien sympa là. Bah. Oh, n'importe qui, donnez-le aux militaires là, aux militaires congolais fous là. Et voilà, un coup de téléphone et il n'y a plus de police. C'est ça quand on a un bras long. Merci, merci. C'est pas mal du tout. Eh ben si c'est bon pour vous, ça va être bon pour nous. Bah nickel. C'est bien 5 gilets, chef. Merci les gars. Et la prochaine fois que vous aurez des gros joujoux, on est preneurs aussi. Ah, il y en a toujours. Quoi comme type de joujoux? Oh, des joujoux russes, tout ça. Hein. Il y a ce qu'il faut. Je suis fan du Poutine, moi j'adore. Montrez un peu, Marlon. Eh ben voilà, par exemple ça. Ça aussi. Et ça aussi, c'est bien. Ça, c'est un flingue ça. Vous faites des. Est-ce que vous faites des fusils à pompe canon scié, tout ça là? On peut vous en trouver, ouais. Ouais, ouais, tu sais, des trucs juxtaposés. Moi j'adore chasser, tu vois. C'est pratique de fou. Mmh. Les gros gibiers avec des uniformes et tout, j'adore. On peut vous en avoir, bien sûr. Ah bah ça c'est super ça. J'aimerais bien en avoir un ou très deux quoi. Bien. Mais de toute façon, on repassera commande et puis vous me direz sur le moment quoi. Impeccable, faisons ainsi. Vas-y et les mecs, bah parfait. Vous devez là. Ouais. On peut en avoir ça nous aussi. Ça là ouais. Bah uniquement c'était un permis tank, croyant. Est-ce que je peux le prendre sur un 10 fois sans frais, c'est possible? 10 fois sans frais? Ouais. Ah Roya, t'appuies sur le mauvais bouton, tu pars en une fois sans frais dans le ciel. Hein. Au pire, je paye les frais. Ah bah si, il paye les frais. Ah Roya, t'es prêt à mourir? Eh, moi j'ai une question, les mecs, j'ai une question. Est-ce qu'on est pas là pour mourir au final? Pourquoi est-ce que vous avez tous des foulards rouges, mais sauf deux qui est noir? C'est quoi, Zerma? J'ai oublié. Les apprentis. Ouais. Intérim. Ah ouais, ok, ok. Ouais, on est là, ouais, c'est ça. Ça marche, ça marche. En tout cas, les gars, toujours aussi sérieux, ça me fait plaisir, là. Et puis on essaye de se capter très prochainement, quoi.
Ouais, ça marche. Ça roule, ça roule. Toujours à la prochaine. Juste, Hamid, ce que tu m'as demandé, du coup. Ouais. On en a quatre. D'accord. Donc c'est toi qui vois. Si t'en veux qu'un seul. De quoi, dis les termes. Dis les termes directement, en vrai. Acheteur en gros de oui. Ah, ok, ok. Ouais. On en connaît 4 ici dans cette ville. Ok. T'en veux qu'un, t'en vends qu'un, à savoir que c'est 10k par tête, on va dire. Ouais. Après, si tu veux prendre le pack, le lot, on te les fait à 35 les 4. Tu sais quoi, Roya, la vérité, tu me donnes le mec le plus solide, le plus fiable, Roya, parce que. Voilà. En ville, Roya, il y a de ces poucaves. J'ai même pas envie de la peine d'en parler, ça va m'énerver, Roya. En fait, c'est une équipe, ils bossent tous ensemble. Le truc, c'est qu'ils ont pas tous le même terrain. Les mêmes horaires et tout, ouais. Putain, ils cassent les couilles. Hein. Oh, c'est des frères ou quoi? C'est des frères Dalton? Ah, c'est des frères, tu verras, ils ont tous la même gueule. Donc les 4 pour 35? 35, les 4. T'as l'argent, Hamid, ou pas? Négatif. Ok, bah on repassera vous voir directement et on fera ça sur place, quoi, d'accord? Excusez-moi, j'ai une question. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez me trouver une paire de sneakers aussi, s'il vous plaît? Papy, merci pour le retour. C'est des chaussures comme au pied. Vous avez fait ils travaillent pour Zalando, quoi, ou quoi? Ouais, ça c'est chaud, ça. C'est chaud? Ah ouais, vas-y, bon. Ouais. Vas-y, bien vu les refs. Autant il n'y en a qu'un, après, ça se trouve, mais des chaussures, c'est compliqué. Ah ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est plus compliqué sur le business, ouais. C'est plus compliqué de trouver une claque de chaussures. L'inverse. Ouais. Vas-y. Et vous, en ce moment, vous avez besoin de quelque chose, les mecs? Comment ça se passe de votre côté? Il y a de l'action, il y a des temps morts, il y a des salopards habités. Il y a pas de salopards habités, malheureusement. Putain. Ah merde. Ça casse les couilles. Hein. Mais moi, je peux vous donner des trucs de fou, les mecs. Hein. N'hésite pas. Mais là, j'ai un petit rendez-vous qui se prépare avec des gars et on m'a dit que je pourrais venir les sauter. Mais regarde, t'as vu, on est 3. Eh, on est courageux, mais pas téméraires. Et là, je vois que vous êtes nombreux, vous êtes équipés, il y a moyen de faire un truc du bon boulot ensemble. Hein. Ça nous intéresse fortement. Ouais, bah, dès que j'en ai un peu plus, bah, je vous tiendrai au courant par rapport au lieu et à la date. Impeccable. Ah bah parfait. Ça marche, mais c'est bon pour nous alors. Bah bien sûr. Ouais, ouais. Ça flingue. Carré, ouais. Merci. Au plaisir, messieurs. Au plaisir. Au plaisir. Au plaisir. Vas-y, les mecs. Au plaisir. C'est à vous. Hein. Ça gueule. J'ai un petit truc pour vous. Bon, allez, je vais ranger ça là. Attends, non. Non, tu tires pas, tu tires pas. Non. 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 Est-ce qu'il sera beaucoup plus vite? Je te refais mon skin. Je vais ranger cette merde là au calme. Vas-y. Ouais, mais moi j'ai le droit, Roya. C'est un occupé, bordel. Oh, sa mère, bon IM, hein, bon shoot, hein. Bon shoot, sa mère. Il a fait un turn. Bon, allez, venez, on va. Je vous fais un petit kiff, on prend l'avion, on atterrit à l'aéroport de Los Santos. Oh okay. Mais. Moi, je peux conduire, s'il te plaît, par pitié. Ouais, mais tu nous craches pas, Roya. Non, t'inquiète. Allez, Roya, on prend à toi, Roya. Allez, bismillah. Vous croyez à moi, vous êtes sûr? Un deck, je suis sur le côté, moi. Je vais me fermer la porte, attends, la porte est sympa. Attends, hop, là je la ferme, hop. Aéroport Los Santos, Roya. Oh, comment je te sens concentré, Roya. Oh, quelqu'un est tombé. Hamid. Hamid. Attends. Hamid, il est tombé, Roya. Hamid, t'es où? Attends, on réatterrit. Atterrit. Non, mais Hamid, accroche-toi bien. Non, personne doit tomber, les mecs. Personne doit tomber. Non, Hamid, mets-toi bien, ok? Ah ouais, mon pote, on est deux. Hamid, ça va ou quoi? Bon, Roya, j'ai le vertige, hein, je te cache pas. Hein. Tiens-toi bien, surtout, ouais. Bah, j'essaye, hein, Roya. Il fait une rotation, on est mort. Non, attends bien, si tu fais ça, t'es mort, hein. T'inquiète. Bah, je m'inquiète, Roya. Et voilà. Incroyable. Bon, c'est beau ce que tu proposes, Roya, c'est beau ce que tu proposes. Voilà. Ça fait plaisir, Roya. J'adore les avis. J'adore le risque aussi. Je peux vous envoyer une adresse, comme ça vous venez me chercher, je suis à l'aéroport de Los Santos avec deux de mes amis. Merci, okay, t'es suite. Ah, c'est sympa, oui. C'est bon, il arrive. Oh, je crois que c'est un mec du Nord, hein, comment il parle. Ah ouais. Oh, sa mère. Ah oui, oh, ça se voit, il a mangé sa daronne au petit-déj, lui. Je te jure. Parce que moi, une fois que j'ai mangé ma daronne, en fait, que ça piquait la gorge. Quoi? Hum? T'as dit quoi sur ma daronne, toi? Toi? Non. J'ai dit mais quoi? Ma daronne. Mais t'es un ouf. Par moi, tu manges ta daronne. Et toi, tu dis rien, toi? Tu ne défends même pas ma daronne, wesh. Mais je peux pas. Putain. Esquive. Oh là. Mais je crois que tu... Wouh. Bonjour, taxi. C'est bon? Bonjour, monsieur. Ouais, c'est bon. Derrière, parce que... Où allez-vous? Ouais, j'ai vu. Allez-vous, vous êtes assis, s'il vous plaît. Oui. Ça va ou quoi, monsieur Earl O'Neill? C'est 40. Ah, ça va être très bien, et vous? Comment c'est? Bah, c'est marqué sur votre carte de taxi. Ah bah, c'est cool, putain. Bah oui, ça va ou quoi? Ça va, ouais. Alhamdoulilah. Alors, c'est... Tu connais un Billy? Ah oui, bien sûr, oui. C'est qui? Bah, c'est mon frangin, oui.
Mais hey, il est trop gentil, j'arrête pas d'essayer de le contacter, il me répond pas, il fait la gueule. Ah ouais, c'est quoi ton nom à toi? Bah moi c'est Mathieu Rennes. Billy, il est là ce soir, il est là aujourd'hui? Ouais, bah je lui ai dit, il a dit c'est qui veut boire. Ah c'est celui-là, dis-lui, c'est celui-là qui était à l'hôpital et que t'as raccompagné au magasin de vêtements et qu'après il tombera qu'avec une calage et que je l'ai sauvé. Je pense que c'est clair. Ok. Vas-y. C'est le mec ici dans l'hôpital. Voilà, magasin de vêtements, braquage-calage. Braquage-calage. Et je vais donner mon numéro. Et donner le numéro. Voilà. Avec braquage-calage. Bah, dis-lui, magasin, je vais l'appeler au téléphone, il va savoir qui c'est. Ouais, il va t'appeler au téléphone, oui. Ouais, ouais. Ah, je vous dépose tout seul. Ouais, on va tout seul à la forêt. Ah, vas-y, ça ouais, va. Voilà. Allons-en, quoi. Voilà. Oh la vache. Arrête-toi, on va faire un constat, bouge pas. Fais, t'as mal. Souffre. Elle a tête d'homme, j'ai pas fait exprès la tête d'homme. Putain, c'est un truc de fou. Brahim, c'est toi? Mais non, voilà. C'est toi qui a fait l'accident, sale chien. Ah, c'est Brahim. Brahim, voilà, je te retiens, Brahim. Brahim, t'es un homme mort. Oh, c'était qui le conducteur, le mec? C'est Brahim, c'est Brahim. Brahim, paye la facture. Paye la facture, Brahim. Brahim, bon la vache, t'abuses, croyant. Brahim. Attends, c'était un chinois avec... Attendez, là on récapitule. Un chinois avec un plot, avec des crocs qui a fait un accident, c'est ça? Ouais, c'est une pièce de théâtre, les mecs, ou quoi? La caille, la caille. Pourquoi wesh, y'a un Aki avec eux, y'a deux mecs du 24-7 dans une voiture bleue. Mais qu'est-ce qui se passe ici? La voiture, elle est pas logique, la voiture. Mais voilà, les... Non, elle est pas normale, la voiture. Non, écoutez. Oh, mais toi, je vais appeler Akuma, il va te baiser, toi. Attends, je te parle. On crée un gang, on est en train de créer un gang. Il veut quitter les Aloki. Et c'est qui la voiture? Ça tire. Je l'ai volé au Mara. Voiture? Tu l'as volé au Mara? T'as pas peur de mourir, toi? Il nous cherchait au col. T'es pour aider mon gang. C'est quoi ton gang, le gang des plots? Il dit de la merde. Et japonais. Les japonais? Oh putain, oh, mais Akuma il va vous baiser. C'est mort. Non, écoute, on a tiré pour Mirror. De base, je vais descendre. Ils ont tiré pour Mirror. Et moi j'ai pris la sandwich. Brahim, fermez la Brahim. Vous avez payé le monsieur ou pas? Ouais, je crois que Brahim t'a payé. Ouais, j'ai donné, c'est bon. Il t'a donné ou pas, monsieur? Pas beaucoup, quoi. Pourquoi c'est bon? Attends, il t'a donné combien? $60, les autres payaient, ouais, je suis payé un peu, ouais, je fais la réparation, tout ça. Vas-y, t'abuses, toi. Tiens, vas-y, trop. Non, vous abusez, les mecs, faut lui donner, parce que. Oh là, Mskin, il vient du Nord, et c'est la galère et tout. Tiens. Oh, c'est un rat, lui. Oh, le rat. Il a pris l'argent. Oh, le rat. Ouais, pose ce que t'as pris là. J'ai pose, musique, pose, musique, te donne au monsieur là. La musique. T'es malade, t'as dur. Bon, je te flinguer maintenant, rends-lui. Rends l'argent. Voilà, il a pas fait exprès. Bah, vas-y, force, les mecs. Oui. Cagoule, tu sais, cagoule et ganté, y'en a, bismillah. Ah, attends, faut que je pose les vite fait les gilets. Oh, bien joué. Les réflexes. Ça, c'est le miel de Manuka, ça. Miel de Manuka. Que je conseille à tout le monde, 2 cuillerées chaque matin, miel de Manuka, je recommande. Non, moi je conseille la gelée royale. C'est de la merde, miel de Manuka, je recommande. Quoi? Miel de Manuka. Moi je recommande le matin, avant. Miel de jujubier ou de Manuka. Okay. Mais non, royale, la gelée royale, tu connais pas? Je connais, mais le miel c'est mieux, royale. Franchement, messieurs, entre nous, monsieur, le miel, c'est mieux. Oh, c'est une dame! Non, s'il vous plaît! Allez, s'il vous plaît. Hop, tu montes, bon, dépêche-toi! Madame, allez, hop. Non, putain! Monte ta race! Donne-moi toutes les moyens de communication, armes et tout ça, donne! Oh, là, je pensais que c'était un mec! Ah, pareil! C'est un mec après tout! Respectez-moi! Hein. Non, c'est pas moi! Elle faisait du vélo, c'est en mode. Derrière! Laissez-moi travailler, je bosse en face! En face, au pire! Ouais, j'avoue, en vrai, le miel de Manuka, les mecs, vous en pensez quoi? Monsieur, nous travaillons! Mais nous aussi, on travaille, ça tombe bien! Nous aussi, on travaille! Ouais, je te fais une livraison. On dépose tout, c'est pas mon problème, Royal. S'il vous plaît, je prends toutes tes moyens de communication. Plus vite tu montes et plus vite on va te lâcher, Royal. Plus vite et tu fermes ta gueule, toi, espèce, t'es bizarre. C'est bon, on y go. Ouais, c'est bon. C'est bon, on est bien, on a tout ce qu'il faut. Vous avez rendez-vous, messieurs? En fait, je dois faire une livraison dans une autre flica parce que c'est la demande des braqueurs. Ah, mais c'est pas grave, il y a d'autres livreurs, quoi, t'inquiète. Oui. Non, il y a pas ça. C'est quel flica? Flica. Putain, il m'a dit quoi? Il m'a fait un appel. Bah c'est vas-y. Bon, du coup, tu sais maintenant où. Ok, bah je peux regarder mon téléphone. Ouais, vas-y. Tiens. Attends. On va déposer, tu vas remonter avec nous. Oh, c'est vrai!
fous. Ah, ah ouais, ils sont un peu plus gens aujourd'hui ou quoi? 300 km. Putain, mais du coup, j'ai... Ah d'accord. Je vends plein, je vendre plein de vêtements. Olena, elle vend des vêtements, elle. Olena, que puis-je faire pour vous? Olena, ça va ou quoi? Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Je cherche des vêtements pour mon clochard d'ami. C'est vrai, j'en ai plein. Bah vas-y, t'es où? On se capte où? Je serai jamais la main, non. Je serai jamais la main. Vouloir, dis-moi, j'arrive. Bah non, dis-moi toi, ce sera plus simple. Et ben on peut se retrouver place du cube. Place du cube, vas-y, à tout de suite. En plein milieu, à tout de suite. Vas-y, les gars, j'ai rendez-vous avec une styliste ukrainienne. On va lui acheter des vêtements, on va voir ce qu'elle a proposé. Oh, vas-y, ça flingue. Comme de Sarkozy. Ah, attends, attends. Bonsoir, messieurs. Besoin de quelque chose de Burger Shoot? Non, je travaille ici, monsieur. Oh, bah ça va, vous êtes, c'est qui? C'est Moussa? C'est ça. Oh, ouais. Hamid, Hamid, descends, descends, descends. Moussa? Moussa, ouais. Je suis le patron, hein. Mais il va y avoir une dinguerie là. Ouais. À ce qui paraît, Moussa et Hamid seraient les deux meilleurs vendeurs du Burger Shot. Eh ouais. Wow, Moussa! Non, 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 y'a quand même, mais quoi? Mais t'as pas compris, toi, Rouya? Il veut te prendre la vedette, mais t'es con, quoi, toi? Mais allez, ça va se régler, venez, on va se régler. Ouais, ça va pas ou quoi? Voilà, on y a, hey, les gars, y'a qu'un seul meilleur employé, y'en a pas deux. Dealer. J'ai pas de bandage, Roya, tu te tapes comme un rageux, Roya. Ah ouais, t'es algérien, t'as pas besoin de bandage, Roya. Ok, les mecs, à 3, c'est la rue. Hein. Allez. 1, 2, 3. Voilà. Ok, bien joué. Meilleur employé, meilleur employé. Hamid, on avance, attention, attention, le revers. Hamid esquive. Ouh, avantage pour Hamid, avantage. Hamid Nurmagomedov. Hamid. Oh, quoi? Oh mon dieu. Oh bien joué la remontada. Bien joué Moussa. Hamid, tu me déçois, Roya. J'ai fait pas mal d'accidents dans ma vie aujourd'hui. Roya, t'abuses. Bon bah Moussa, bah voilà. Et lui, meilleur employé du bar ce mois-ci. Bravo, bravo à toi Moussa. T'es malade ou quoi? Oh le bâtard. Oh tiens. Oh merde, le pardon. Bâtard. Oh le revers. Oh la vache. Ah là Moussa, bien. Mais Moussa, tu viens d'où? Je viens d'ici, moi, pur produit Los Santos. Ah ouais? Non, je pensais que t'allais envoyer de l'argent au bled et tout, je partais déjà dans un délire. Ah non, non, moi je viens d'ici direct. Mais t'as des origines quand même? Non, non, américain. Ouais, je répète ma question, t'as des origines quand même? Pas du tout. Il va virer le meilleur employé, c'est pas grave. Non, 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 hey, mais non, ouais, je vais pas te virer. Au pire, je te bute, mais je vais pas te virer, croyez. En vrai, de vrai, je suis le meilleur, mais je suis pas le meilleur. C'est-à-dire, explique-nous. Parce que je gère les contrats avec les autres entreprises. Comme quoi? LSHD. LSHD, c'est nous qui les nourrissons? Ouais, ouais, LSHD. Et ces fils de pute, ils me rendent dans le cul comme si j'étais un véritable salarié, quoi. Oui, ouais, oui. Ok. Okay. Donc, bon, eux, voilà, eux, ils vont crever la dalle. Déjà, eux, c'est fini. Ok. Le reste. Le Bénise. Oui, c'est le bon Bénise. Pour moi. Ouais. Le Weasel News. Ouais, Weasel News, c'est bon pour moi. BCSO. Quoi? Moi, je nourris les flics, moi? Ouais, mais après, ils payent, tu vois. Encore un qui paye les autres. Moussa, est-ce que tu craches des dents quand tu me donnes à la police? Dis-le. Entre nous. Non, ils payent plus cher. Ils payent plus cher. Oui, mais c'est pas la question. Ah, ce qu'il est-ce que tu craches dedans? Je crache pas dedans, moi. T'abuses. T'abuses, frère, il faut. T'abuses de la fesse. Qui vient? C'est bizarre. Oh, tiens, bizarre, Moussa. Tiens, Moussa, mon ours. Tiens. Voilà, t'as un mot de dans le monde des bisounours, Moussa, t'es trop gentil, là. Oh, c'est Fungalakwaki. Oh, mon nouveau Fungalakwaki. Ouais. Bon, vas-y, Moussa, on te laisse, on va acheter des vêtements pour un clochard d'amis. C'est un clochard au niveau des vêtements, pas au niveau du compte en banque. C'est Fungalakwaki qui conduit. Regardez. Oh, stylé. Vas-y, go, place d'équipe, Roya. Vas-y, mon gars. Vas-y, Moussa, force. Fungalakwaki, M-Srot, va, place d'équipe, va. Qu'est-ce qu'il y a? Un à gauche, VS, deux voitures. Oh, mais madame, ça va? C'est qui s'est il s'est passé quoi? Ah, mais c'est madame pue des pieds. Non, c'est madame Ballerine. Ça va? Ouais, ouais. Mais il s'est passé quoi? Avec le gros avion. Ouais, c'est ça, ouais. Tu racontes quoi? Arrête, on attend la police pour braquage. Jure, et tu fais quoi en fauteuil roulant? Non, mais je suis déguisée. Parce que j'ai reçu des balles. Ouais, c'est 50 cents. C'est 50 cents, toi? Eh, c'est des pneus gonflables ou pas ça? Ah, ouais, mais le turbo et tout, j'ai installé dessus. Jure. Ça fonctionne avec l'essence maintenant, ouais. Avec une petite figurine. Mais non! Là, c'est parfait, non? Mais après, tu roules comment, maintenant? Ben, justement, après, justement, ça, en fait, c'est là, on appelle ça l'effet placebo. Ça va te forcer, c'est dans la tête. Ça va te forcer à te donner de la force dans les jambes. Ah, tu sais pas handicapé, d'accord? Mais non, ben, justement, t'es pas handicapé, il faut le crier fort. Je suis pas handicapé! Mais ça fait en dirait, je suis vraiment handicapé. Arrête! Là, c'est bien, là. Vas-y, roule pour voir, là. Non, mais non. Je vais t'emmener au bini, je te mets un full custom. Vite teinté et tout. Teinté. Oh, t'as vu? C'est bien, tu roules sur les jantes. Tu roules plus vite là. Attends, j'essaye. Ok. Oh là, tu roules plus vite. Et eh ben voilà. Attends, j'essaye de tourner. Attends, attends. Non, mais t'arrives plus à... Non, mais non, j'accélère, je recule, non? Mais non, là, c'est...
Wesh, y'a un alien qui arrive, attention, y'a oh là là, y'a un alien qui arrive. Ça arrive quoi, Mars en Mars arrière. Oliana. C'est pas la bille qui fait la one. Ça va? Ça. Oh là là, elle abuse. Oh, arrête. Non mais, y'a quand même... Ouais, mais t'abuses. Mais on a compris que t'étais handicapé, wesh, c'est bon. Je suis pas handicapé. Putain, t'abuses. T'es handicapé, bordel, merde. Pas handicapé. Tobias, viens, y'a la styliste qui est là. Oh, bonsoir madame, comment ça va? J'aime trop ta voix de Pokémon. Elle est pieds nus, c'est elle qui va nous habiller. Pokémon, toi t'es dans un Pokémon. Oh, j'ai envie de l'insulter, c'est trop mignon. T'as pas dit, je te rappelle à toi, j'ai suis en affaire. Elle est trop belle votre boîte de Burger Shot. Ah, merci, c'est gentil. C'est qui elle? C'est un handicapé sur roue. Alors, Oliana, du coup, bah merci d'être venu. Pardon, Hamid. Non, merci à vous. On vient pour mon clochard de pote qui s'est pas habillé, voilà. Oui, c'est moi, madame. T'es mal à dégaine. C'est vrai que c'est pas ouf. Ah, c'est pas ouf. J'ai acheté toujours la sauce, respect. Sur mon Superman 4 frère incroyable, il a un corps parfait, un physique parfait. Oui. Vous allez pouvoir observer Supertune. Ça va faire montre les tenues que tu es capable de présenter. Tu vas aller te cacher là derrière. Dégage-toi. Ah, tiens, tu crois que c'est toi? Attendez, madame. Ah, oh la vache. Oui, madame, tu peux continuer. Vous avez vu quand je vous dis que c'est un handicapé, c'est grave. Hein. Oui. C'est pas une blague. Hein. Pas une blague. Hein. C'est vrai qu'il est pas très fort, mais... Oui, bon, madame, qu'est-ce qu'il y a? Attends, va te montrer mon frère, il va aller se changer, va te montrer ce qu'on est capable de faire. C'est lui qui me change là. Mais c'est son modèle, croyant. C'est comme si c'est un mannequin humain, On dirait un russe qui sort du HEPS. Bah et alors, il a le droit, croyant. C'est un ukrainien, il est en pyjama là aujourd'hui. Ah, il est en pyjama, ouais. Voilà, il est incroyable. Il a trop de flow, c'est normal. Il a trop de flow, oui, pile, tout pareil. Ah, tu flingues ou pas mon Bob? Tu valides ou pas mon Bob fort? T'as capté, ça veut dire c'est un Bob. Tu vois ce que je veux dire? T'as capté, c'est Gucci. C'est voilà, Gucci gang. Premier modèle, ça c'est le modèle billionaire. Oh, c'est grave stylé. Hein. Avec ça, par contre, il manque les chaussures. Tu vas en soirée, tu gères des meufs. Mais il manque les chaussures. Mais j'ai pas de chaussures. Il manque les pieds. Il manque les chaussures. Avoir des chaussures. Mais j'ai pas de chaussures. Celle qu'on a volée à cigarette. Ah, d'un si. Wouah! Et c'est du cuir, mon gars, tu sais combien ça vaut ça? Combien ça vaut? Ça vaut 1200$. Quoi? 1200$? Super riche qu'il est d'avoir. C'est vrai. Je le prends pour moi, c'est pour moi celui-là. Non, c'est pour moi. Eh, ta mère, je m'en fous, c'est à moi. C'est à moi. C'est combien ça, Anna? C'est combien? Le total ou juste les chaussures? Non, tout. Roya, il l'a appelé. C'est quoi, au prix des chaussures, t'as le tout? Quoi? Combien? 50$ tout ça? 1200. Ah. C'est le costume billionnaire. Tu vas au casino avec ça, je te jure, tu gères. Bon, même bon, les agents de sécurité. Écoute, Oliana, on fait un truc, d'accord? On va prendre 3 ensembles et tu nous fais un prix. 3 ensembles. Voilà, pour... ça c'est le mien, les autres ils se démerdent. Au lieu de 3600, ce sera 3000. Ok, c'est bon pour moi. Ça c'est pour qui celui-là? C'est pour moi. Oh, jure, ça va trop bien t'aller, bordel. Et vous préférez quoi, vous, monsieur? Plus classe ou la street? Plus bling-bling. Bling-bling, classe, qui flingue. Quand je passe dans la rue, on sent... Ah ouais, ça tombe bien ce qui passe. Tu vois pas ce que je veux dire? Avec un parfum goûtu. Ouais, là, je vais voir. De l'amertume. Et du désespoir et du... Oh, regarde, tu lis une poésie de Victor Hugo ou quoi, toi? Un parabellus. Voilà, Jacques Prévert du Congo. Jacques Prévu. Jacques Prévert. Jacques Pervers avec son bec en fromage. Tenir. Mais c'est pas cet idiot, bordel! Aliano, tu viens d'Ukraine, c'est ça? Non, je viens d'Ukraine. Skinner, c'est perdu au fond du bled de Los Santos. Je peux te poser une question, mais te vexe pas. Hein. T'as promis. Pourquoi t'as pas de chaussures? Mais parce que j'en avais jamais mis. Hein? Mais t'as raison, voilà, c'est fluide. On était petit, ça a rafim, on était comme ça dans la rue, on a grandi sans chaussures, alors j'en La vie, elle est dure en Ukraine ou pas? Mais même moi, la tête d'homme. Toi, remets tes chaussures, toi. Non! Ma tête dealer, à l'époque, j'avais pas de chaussures, maintenant j'investis. Non, mais regarde, il avait pas de chaussures, c'était. Hey, Oliana, c'était un policier à la base. Oui, à la base, c'est base. Quoi? Toi? Je te jure, c'était un flic. Eh ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Et Hamid, entre nous, hein, c'était une pite à l'unicorne. Ouais, c'est vrai, ouais, avant. À l'époque. À l'époque. Mais ça va, il a changé entre temps. Avant qu'il soit algérien. Ouais. Après, il est devenu algérien, c'est devenu un varajal. Là, c'est devenu un hez et tout. Oh, ça, c'est swag. Oh! Ça c'est pour toi bien ça, je reconnais ça. Ça je reconnais, c'est pour toi bien ça. Ça c'est pour moi ça. Merci Nabil. Ah ouais, c'est pour toi. T'es mal à la chaîne en or et tout rien. Bling bling. Oh, j'avoue c'est bling bling. Alors ça vous avez le look street and class and chill. And chill. Les couleurs sont incroyables, le tissu est parfait. Là, là c'est les couleurs en HDR, là c'est super stylé. Madame, tu sais quoi, pour vous remercier, Soukabliet Nahwa de Poutine. Je sais plus ce qu'elle veut dire.
là t'as juste dit putain merde, fais chier. Voilà, avoir juste dit ça. Ah merde. Vas-y monsieur, moi j'achète, hein, j'achète combien, combien? C'est bizarre Tobias, ce voilà. C'est moteur qui fait. Mais c'est 3000 les 3, Roya. 3000 c'est 3000 les 3, c'est vrai. Vas-y, vas-y, ça c'est bon, on valide. Et du coup, la dernière tenue pour Hamid. Moi ce que je veux, c'est que quand je suis avec une meuf, toutes les autres meufs me regardent. Ah bah franchement, d'accord, avec ça, si elle te regarde pas, c'est simple, très simple. En plus, ça va bien avec ta coupe du cheveu, croyant. C'est raffiné, c'est raffiné. The Kanish style. Avec ça, je te jure, tu gères pas des filles. Tu mens. Franchement, je comprends plus. Il va les digérer, wesh. C'est incroyable, incroyable. Regarde. J'achète. Non, j'achète, j'achète, moi j'achète. Les pectoraux, les bras, les carrures, les carrures, le charisme. Vas-y, c'est bon. Ils sont vendus avec ou pas? Quoi? Il y a tout, il y a tout. Tout ce que tu vois, c'est achetable, sauf le mec. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Bon, moi je veux la première, Toblas la deuxième et Hamid la troisième. Attends, c'est pas mieux, c'est pas mieux. Attends, dis-lui de pas enlever. C'est mieux d'aller dans un magasin, comme ça il lui passe une petite étiquette avec une tringle. Comme ça on s'y retrouve plus facilement. Oh, c'est un raffine, attends. Viens, on va dans un magasin et tu fais les petites étiquettes avec les pas tringles. Les tringles, les merde, comment les cintres, les cintres. Les cintres, voilà. Cintres. Les strings, enfin, comme tu veux. Oliana, viens, j'ai une grosse classe là. C'est quoi cette valise? Ah, j'ai parce que, bah oui, si j'ai. $2. Bah ouais, j'ai payé en pièces blanches et tout, pièces jaunes. Attends, je vais récupérer ton valise. Tiens. Attends, Ouais. Mathieu, tout dire. Moi, je te parle en privé. Bien sûr. J'ai Maître Coleman. Il souhaiterait voir pour être avocat pour le Burger Shot. Qu'est-ce qui se passe au Burger Shot? Pourquoi? Je sais pas. Madame, je sais pas. Mais là, du coup, je lui dis d'attendre et puis on arrive. Hein? Ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, bah, je lui dis alors. Okay. Oh, beau gosse. T'es mal, beau gosse. Mathieu, il est trop beau. Malgré qu'il s'appelle Mathieu Rennes. Jure, comment vous êtes robot? Comment je suis beau? Olena, y'a fils! Je vais péter un jablon sur l'île de la tempête, ils ont 5, je vais m'arracher la petite. Ferme ta gueule! Eux ils sont beaux, ils sont claqués au sol. Attends, wesh, c'est auto-tune max ici, c'est quoi ce délire? Vous avez du flow les gars maintenant. Avant vous ressembliez à des poules. On a pas mis de la. On pouvait pas. Je deviens fou. Ouais pas. Je suis fou de toi. Je suis pas fou de toi. Fils de pute. J'aurais pu hleuf qu'il allait dire fils de pute, gros bâtard. Voilà, ça fait 3 jours, on va faire une fléca. Et pourtant, il n'y a pas de fléca. Inch'Allah, qu'on va en faire une un jour. On la fera demain. Mais Oliana, c'est quoi ton prénom, monsieur? C'est Rafim, avec un M comme ça. Rafim. Rafim? Vas-y, Rafim et Oliana, bah, merci en tout cas. Rafim. Raffinerie, je sais pas. En tout cas, merci, monsieur. C'est cool. C'est raffiné. Raffinadati. C'est tellement beau comme ça. Franchement, si vous gérez pas des meufs, du coup. Ouais. Par contre, ouais, si on gère pas de meufs, du coup, c'est remboursé. Hein. Remboursé. Il manque un chapeau à monsieur. Achète du savon parce que t'es yeb là. Ça sent la choucroute. T'as vu? C'est parfait. Des pieds à l'air là. Franchement, changez rien. Vous dites. Bah vous aussi, changez. Enfin, si change un peu les chaussures, quoi, mets des trucs. Quoi. Ouais, mets un bail là. Des ongles incarnés. Des claquettes, mets des trucs quoi. Oh maman, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des chaussettes au moins. Wesh, c'est comme ça qu'il dit ta mère bonjour. Oh vite tenté, couchez-vous, vite tenté, ça va rafale. Vous avez pas les réflexes. Oh là, couche-toi, ça va rafale. Hamid, couche-toi. Il est encore là. Attention. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il sort son arme. Oula. Wow, et voilà, couchez-vous. Oh mon dieu, mon dieu. Oh, ça tire de ouf. Oh, ça tire sa mère. Nouveau costume et tout, t'es fou. Oh là, je me lève pas, croyant. On va mourir. On va mourir. Vas-y, bouge pas. Oula, je bouge pas. Ah, c'est bon, faut s'alerter, il a pas tiré, c'est cool. C'est bon, c'est bon. Putain, c'est encore ce 4x4 tout claqué. Oula, pourquoi ma mère se relève pas? Bah ouais, bah je suis trop. Ah, par contre, ta mère, regarde. Madame, c'est un jeu. Faut se lever, madame. Putain, c'est vrai, c'est pour rigoler.
Vous rigolez, madame. Non, mais elle est bien. Bon, vas-y, les gars, force, nous, on va y aller. Vas-y. Eh, c'est un mauvais payeur, hein, faites gaffe. On va voir. Mais vas-y, très, très mauvais payeur. D'ailleurs, Hamid, il t'a payé, Fils, la dernière fois quand on l'a aidé. Il m'a toujours payé. Ah, bah, Fils, tu nous as pas payé, wesh. Jure-le que j'ai pas payé. Oh là, tu m'as pas payé. Ouais, il a dit, oh là. J'ai pas payé. Mauvais payeur. Tu comptes nous payer quand, wesh? Attends, je vais regarder sur mon journal. Vas-y. Année bissextile, croisement de la lune, parallélisme de Thalès. Yeah, j'ai entendu demain, j'ai entendu demain. Que je ne protège. Vas-y, on part sur ça, on part sur demain. Ça. Là. Bah, attends, bah, demain on fait le bail et vous nous donnez. J'ai pas le temps, bisous. Ouais. Oh. On est fait la course. Ok, tu me pousses. Vas-y, mets-toi devant. Je le sens mal. Skenal va s'envoler. Voilà, parce qu'elle est foutue dans le décor. Elle a mis dans le décor. Elle est stable, franchement, elle est restée stable. Non, elle est restée stable. Mais non, mais elle est en pente, là, elle n'arrivera pas à monter. Je m'en bats les couilles, regarde. Bah, c'est pas notre problème, ça. Elle avait qu'à réfléchir avant, on devait dire oui. Maître Coleman, comment allez-vous? Mais non, la dinguerie, Maître Coleman. Mais venez, installez-vous. Ben oui, bien sûr. Tobias, filez la spéciale, s'il te plaît. Félicitations pour l'ouverture de votre enseigne. Ben merci. Ben vous savez quoi, pour fêter ça, Hamid, Tobias, un menu chacun et vous mettez 3 surprises chacun dans le menu. Ouais. On va faire fumer le... Allez, monsieur. Allez, venez, monsieur. Ça fait plaisir. Comment allez-vous, Maître Coleman? Bah, ça va, tranquillement. Et ouais. Bon, ça va, en vérité, on est tranquille. Hein. J'ai cru comprendre que vous voulez être avocat du Burger Shot, c'est ça? Absolument, en fait, j'ai entendu parler de de l'ouverture de votre enseigne. Ouais. Donc, forcément, moi, je démarche toutes les entreprises. Hein. Je suis un vautour, donc voilà, dans un... Vous êtes un vaudou? Un vautour. Un vautour? Ouais, c'est ça. Ok, Hamid, prépare les bons dans le milieu, quoi, on m'appelle le vautour. Ouais, je vois, vous êtes un vautour, ouais. Ouais, attendez, je nettoie vite fait, parce que les employés pétent. Hein, c'est-à-dire que je fais bien mon travail, quoi. Ah ouais, non, mais je comprends tout à fait, bien sûr, ouais. C'est bien, vous qui nettoyez les tables. Ouais, je suis un patron exemplaire, moi, je n'ai rien à foutre. C'est bien, Monsieur Coleman. Ouais. Et Monsieur Coleman. Voilà, votre menu. Les gars, faites gaffe, c'est un vautour, Skip. Ah bon? Et tenez, du coup, alors, les suppléments. Bah, ça, c'est des petites pailles. T'as donné les pailles? Tenez les pailles. Ouais. Bah, voilà. Tenez des pailles et des pailles pour les frites. Voilà. Ah oui, pour le menu, ok. Bah, je vous les pose par terre, là, vous n'arrivez pas à les prendre? Non, c'est bon. Oula, attendez. Ouais, c'est du gros pailles, ça, Roya, t'as sorti le sac, carrément. C'est les sauces. Oui. Ouais, c'est vrai, c'est les sauces. Tenez, je vous en donne une déjà. Petite sauce, ketchup. Cool, Maître Coleman, vous voulez parler de quoi exactement? Yes. Bon, j'étais déjà en train de parler avec... Autant pour moi. Avec monsieur... Khanez. Comment? Khanez. Ouais, Mathieu Khanez, ouais. C'est ça. Donc, je disais justement que je démarche les entreprises et que, bon, à la vue l'ouverture de cette nouvelle enseigne, je proposais mes services. J'ai un produit qui est très intéressant. Bon, allons droit au but, en vérité, ça va me coûter combien cette merde? Ah, le prix, on peut en discuter, mais... Ouais, je note ce que vous me dites là. Donc déjà, vautours, ça c'est bon, ça me va. Moi j'ai regardé tous les deux commentaires en plus sur l'Afrique, j'adore les vautours. Les deux tours, c'est les deux tours. Les vautours. Non, pas les deux tours. En Starfleur. Oh là là, les problèmes. Oh la dinguerie. Vas-y. Donc en fait, moi ce que je propose, c'est une protection juridique, l'exercice de vos fonctions, de vous et de vos employés forcément. Ok, ça marche. La rédaction de tous vos contrats, que ce soit CDI ou CDD. D'accord. Et voilà, donc votre protection et celle de vos employés aussi, donc ça c'est très important. Mm-hmm. D'accord. Je connais un petit peu vos dossiers, je connais votre passé, etc. Je pense que ça peut être intéressant pour Comment vous. Comment ça, notre passé? Dites-moi en plus. Ben écoutez, moi je connais très bien Hamid et Tobias. Qu'est-ce qu'il a Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait Non, ils font rien de Qu'est-ce qu'on a fait, Maître Coleman? Franchement, nous on est des mecs exemples. Oh, le même réflexe. Exemplaire, ouais. Comme tu m'as dit, patron, au plaît. Ah, vous avez mis sur quelque chose de. J'ai arrêté tout ça, moi. C'est mieux que la chicha. Ça, c'est pas un bon petit whisky, sa mère. Oh putain, après tu fais digérer ça avec une bonne clope. Les poumons sont plus noirs que coupe de champagne. Non, ça ira pas. Un petit gobelet peut-être. Non, ça va aller. Un petit vin alors. Allez, un petit un cigare, vas-y, prends-le. Ouais, ça va me coûter combien du coup? Donc j'ai bien compris vos objectifs. C'est vous qui voyez, c'est selon vos rentrées, selon la fréquence à laquelle vous pensez que vous aurez besoin de mes services. D'accord. Donc c'est vous qui savez le mieux en réalité. Ouais. Mais généralement, vous c'est combien à peu près? C'est une fourchette. Ouais, ça tourne entre 4 et 7. 4 et 7 dollars, c'est pas cher en vrai. Non, 4 000 et 7 000 par semaine. C'est donné.
L'hôpital, par exemple, l'hôpital me paye 7500 par semaine. Mais ils ont quoi l'hôpital? Ils font tellement d'erreurs médicales ou quoi? C'est pas question d'erreurs médicales, mais ils ont beaucoup de contrats à rédiger par contre. Ah ouais. Ouais, les contrats, ouais, je comprends. Donc ils rédigent, d'accord. En tant d'accord. En tant que okay, chef okay. d'entreprise. Donc on a dit entre 4000 et 7000 dollars la semaine. C'est ça. Ok. Et vous acceptez que de l'argent, par exemple, si je vous rapporte de la menthe, des trucs de casino, des trucs au hasard. Après, des sauces. Des sauces, par exemple, des sauces là. Par exemple, des sauces. Non, c'est proscrit quand même. Non, ok. Sinon, ouais, on finit comme ça tout seul, parce que c'est ça le truc. Voilà, c'est ça. Ok, ça marche. Vous avez compris. Ok, donc que de l'argent, quoi. Ok, ça marche. Ouais, PayPal, j'imagine. De l'argent. Cash, espèces, PayPal. Ouais, n'importe. Cash, coupure. Oui. Cash, c'est bien ça. N'importe, en réalité. N'importe. Ça. Ok, ça me va. Bon, bah, je pense que c'est intéressant. Et imaginons que, parce que vous savez que ils sont venus casser la gueule à mon restaurant pas mal de fois, hein, les gens ici. Ah bon? Ouais. Il y a déjà. Il y a le Crucial Fix. Bah, déjà, ils m'ont avoué que carrément c'était eux qui employaient des Japonais pour tabasser mon restaurant. Ah oui, la concurrence, quoi, direct, c'est ça. Voilà. Et ensuite, il y a les Maras qui sont venus. Ils m'ont insulté, ils ont tabassé le restaurant encore une fois. Ok. Et là, attendez, vous avez un numéro de téléphone ou pas? Okay. Attendez, je vous envoie une photo. Il y a aussi un gros problème là, au Burger Shot, c'est ça. Voilà. Je vous envoie ça. C'est quoi le problème? Appelle-toi la photo. Ah, la photo, ok. Voilà, ça déconcentre les employés, c'est inacceptable. C'est qui ça? J'ai pas reçu. Ça, c'est une chatte, ça. C'est une techa, ça. Après, c'est un truc de puzzle. Hein. Vu que je savais pas c'était qui, je l'ai imprimé en taille réelle et je l'ai essayé de la coller à toutes les techas que j'ai vu au Burger Shot. Et ça collait à personne. C'est un puzzle, mais j'ai pas réussi à le résoudre. Bon, bah là en l'occurrence, faudra s'adresser à la SPA hein, pour ouais, ce bah là, SPA, ah, oui. Fourrière, je sais pas. Là, c'est chaud là. On dirait qu'il y a une sorte de scooter à l'intérieur, je sais pas, je pourrais pas dire. Je sais pas si je peux intervenir là-dessus, mais par contre, ouais. Pour ce qui est des agressions et du vandalisme, on peut très bien se constituer partie civile et demander des dédommagements, ça, il y a aucun problème. Hein. Oh non, non. On gagnerait combien à peu près? Ah, je sais pas, c'est selon les dégâts qui ont été causés, quoi. Ouais, mais on peut gagner de l'argent. Ça cause beaucoup de dégâts. Ah oui, de l'argent, vous en gagnerez, bien sûr. Oh, bah c'est bon, alors on fait. Ouais. Ah, ouais. Oui. Oh, bah, moi, oui. Ça m'a causé des dégâts mentalement. Hein. Ouais, lui, okay. Bah, regardez. Des dégâts psychiques. Okay. Voilà, il a une serpillère sur la tête depuis, ça fait 2 semaines, il a peur, skin. Okay. Oui, j'ai peur. Parce qu'en fait, ils ont utilisé sa tête pour. Ils ont fait une dinguerie. Hein. Tobias, c'est celui-là qui a le plus morflé. Oui, Tobias, Coleman, venez, maître Coleman, je vais vous montrer ce qu'ils ont fait. Oui. Eh, une dinguerie. Eh, on ferait même pas ça à mon pire ennemi. Et ramène-moi pas sur les lits des crimes. Et ils lui ont dit, ah ouais, t'es Tobias. Hop, déjà, ils l'ont fait rentrer dans les toilettes des filles, direct. Tu vois? Ouais. Ils lui ont fait lécher toutes les toilettes avec sa grande bouche. Eh, carrément. Son gros front, il est utilisé comme un déboucheur de chiottes. C'est des faits avérés, hein. On est là, on n'est pas dans l'imagination. Et en plus, il y avait la caméra. Okay. Eh ouais, ils lui ont mis ses pieds dans ses cheveux. Imaginez le délire. Il y a la caméra. Ouais. Ok, ça oui. C'est bien. C'est bien. Et, ouais. Et t'en fais quoi d'autre encore, Tobias? Non, Maître Coleman, par contre, Maître Coleman, faites attention à ce que vous allez voir. C'est très rare dans l'histoire de l'humanité ce qui s'est passé. Oui. Ils l'ont emmené ici de force, hein, je vous invite à sonner. Voilà, même Jean-Pierre Belmar, il était choqué. Oui. Pourtant, il y en avait des enquêtes impossibles. Hein. Mais là, franchement, c'était plus une enquête impossible, c'était un cul impossible. Eh, ils l'ont refait. Oh, ils l'ont fait du sale. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah, ils l'ont cartonné. Ah, ils ont cartonné. Ah, ils l'ont cartonné les fesses. Ah ouais, c'était le bon endroit, effectivement. Ils l'ont mis à poil et tout. En fait, ils l'ont mis ici, comme ça. Attendez, je vous montre. Ouais, ouais. Ah bon? Ah, ils t'ont mis comme ça, Roya. Je crois qu'ils t'ont mis comme ça. Ah, ils t'ont mis comme ça. Ils t'ont mis comme ça, Roya. À poil. Et un par un, une brochette, un truc des fous. Ah oui. Putain, il a morflé Tobias, il s'est pris 2 jours de RTT. Hein. Ah ouais, c'est une position un peu contraire. Ouais, j'ai vu boiter et tout, genre. Ouais, il pleurait même des fois. Ouais. Ça, c'est combien à peu près, okay. Ça Bah là, il y a des dégâts psychologiques, effectivement. Oh, physique aussi. Physique c'est hoche, là. Je sais que le terrain était déjà... il faudrait peut-être passer par l'hôpital du coup pour faire un certificat médical qui atteste de cela. Ah oui, là faudra faire, oui. Une coloscopie, Royal. Ça j'aime bien. Non, c'est bon, on m'a déjà fait déjà. Si. Royal, c'est mort. Royal, il y a de l'argent en jeu, Royal. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, peut-être qu'une coloscopie serait. Je sais pas, hein, faudrait voir passer par un médecin, ils sont mieux. Ouais. Là, actuellement, il est sous Xanax, là, il est allé voir un psychiatre.
Enfin, un ancien psychiatre. Je suis sous codéine, drill, Xanax, Rakutane. C'est un ex-psychiatre qui est actuellement mécano. Donc je sais pas si c'est la même chose. Ah ouais, c'est mais... ouf. Ah, Riyad, je le connais très bien. Je le connais très très bien. C'est un psychologue, il est devenu mécano. Ah, il est devenu mécano, Riyad. Ouais, c'est vrai. Ok. Ouais. C'est réel. Et avant il écoutait des gens, maintenant il écoute des moteurs. Ah ouais, bah... J'avoue, skin. Écoutez, pour ce qui est du dossier là, moi je pense que je pense qu'on pourrait récupérer voilà. des sous. Hein. Si on est bien là, on est bien. Ouais, ouais, ouais. Y a caméra moyen, et tout. Hein. Ouais. Bah écoutez, tenez-moi au courant, Tobias, oui. pour. Ah non, pas de soucis. Pour le rendez-vous. Ouais, non, attendez, on va prendre rendez-vous là. On va pour ah, demain. Oui. On appelle, comme ça on prend rendez-vous en amont, quoi. Comme ça on voit les choses. Ok. Maintenant j'ai peur quand je me balade dehors, je prends un casque. Bonsoir. Si oui, dites-moi tout. Voilà, en fait, monsieur, j'aimerais prendre rendez-vous pour demain, pour mon ami. Il aimerait passer une coloscopie suite à une agression qui s'est passée en fait. Bon, ici une histoire bresson, quoi. Et en fait, ouais, y a pas de problème. C'est quoi, passer à l'hôpital et puis vous pouvez vous adresser directement à un infirmier ou à quelqu'un pour prendre rendez-vous et puis on vous recontacte au plus vite. Bah ouais, c'est ce que je vais faire. Parfait, nickel. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Ouais, faudra passer alors. Directement et on prend rendez-vous, quoi, il a dit. Ah. Donc voilà, en fait, ouais. mon appel ne sert à rien, quoi. Mais c'est cool. C'est inutile. Okay. Oui. Voilà. Dommage. D'accord. Bah, vous voulez faire ça quand? Oh, on passera demain. En vérité, là, on est fatigué. Hein, demain. Ok. Ouais. Ça marche. Oui, demain on fait ça directement. Ouais. Voilà. Ça marche. Vous me contactez ou bien je dois vous contacter? Je vous contacte dès que la prise de rendez-vous est effective et qu'on a un horaire et puis. Ok, ça marche. Voilà. Ça marche. Ok. Bah, il y a de grandes chances que ça aboutisse. Hein, et vous, ça va de votre côté, vous n'avez pas de soucis en ce moment? Moi, j'ai pas de problème, non. Ça flingue? Sûr et certain? À quel sujet? Au sujet du tout? Non. Les meufs, vous avez une meuf? Non. Vous avez raison, donc pas de problème. Ouais, j'évite les problèmes. Ah, peut-être que vous préférez les hommes? Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il fait gauche? Qu'est-ce... Je sais pas ce qu'il fait, là, il essaie du virus dans sa main. Il met un trou et puis il met la. Quand je vous dis que ça fait des dégâts. Ouais, je sais, je connais un peu. En fait, là, en plus, c'est un ancien. C'est un ancien GI. De l'Irak. Il a fait la première guerre d'Irak, lui. Ah oui. Il a vu, à Skip, il a vu Saddam dans les yeux. Et Saddam ne l'a pas vu. Alors. Ah oui. Et regardez les dégâts, regardez, il se croit encore sur le terrain, là. Regardez. Ouais. Tobias, couché À la guerre. Voilà, vous avez vu? Il a peur. Comment ça, j'ai peur? Il a peur. Bah oui, oui. C'est test stress post-traumatique. Attendez, non, mais là, clairement, je vois qu'il y a pas mal de dégâts. Ouais, il y a quelque chose à faire. Il y a un truc à faire. Il y a un billet à gratter quand même, là. Ouais, il y a un billet à se faire. On peut porter plainte contre l'armée ou pas? Contre l'armée? Ouais, ou le LSPD. Alors, je vous raconter l'histoire de. Est véridique, hein. À la base, c'était un officier de police, d'accord? Voilà, c'est moi. Suite à des menaces et diverses pressions dues à sa couleur de peau ébène, on lui a craché dessus et en fait, il a pété un câble, il s'est barré. Et à cause de lui, à cause de, pardon, du LSPD, il a vécu pas mal de temps dans la poubelle, raconte-lui, et il a adopté un bidon d'essence qui est devenu son fils. Donc en gros, je vous explique, j'étais directement policier, et j'ai subi du racisme, j'ai subi comme il s'est passé là, d'ailleurs aussi une caméra là-bas, derrière, et du coup j'ai doucement, doucement, range ton arme, Tobias, on n'est pas sur un temps, t'inquiète, c'est pas la guerre. J'ai peur, et du coup avec Fongala Kwaki, maintenant j'ai réussi à me créer une vie, c'est le pigeon. Fongala Kwaki, oui, mon fils. Il est mort du coup à cause de Jerica. Merci, docteur Mikey, merci beaucoup. Non, c'est pas. Pourquoi tout le monde dit ça? Non, avec mon fils. Et donc voilà, j'ai rencontré Mathieu, jeune Marocain entrepreneur du bled, parce qu'il ne parlait pas encore anglais. Mm-hmm. Mais il m'a aidé on s'entretenait, on s'entraînait. On s'entretuait, on s'entraînait. On s'entraînait un peu par les cheveux, votre histoire là. J'ai du mal à suivre. J'ai pas de cheveux, monsieur. C'est pour ça que. Oui. Bon, en gros, voilà, il avait une situation stable. Il avait une femme, des enfants, un travail, etc. Et dû au racisme de la police, et ça c'est une histoire véridique. Il a fini dans la rue et j'ai dû le ramasser à la petite cuillère et là je l'ai embauché et puis voilà quoi. Voilà. Ah, du coup ça démarre avec le LSPD. Le LSPD, quoi, ouais. Il était raciste, ouais. Ok, donc il allait attaquer carrément le LSPD. Oui, là. Oui. Ok, d'accord, ouais. Ça coûte, on peut gagner combien à peu près? Oui. Bah écoutez, va falloir voir. Ah ouais, c'est un gros billet. Ah, attends bien, ça va devenir riche, regarde. L'Inchana, ouais. C'est riche, j'y compterai pas, mais on peut toujours essayer, ça y a. Combien? À peu près. Tranche. Environ, quoi. Je sais pas, ça, c'est vous, en fait, qui devez. C'est nous qui décidons, Roya. C'est nous. 90 000, c'est bon ou pas? 60 000. Vous désirez 90 000? Ouais, pour partie civile. Dommages et intérêts et dommages collatéraux sur la personne de Tobias Wayne. Mais, qu'allais-je dire, vous avez des preuves de ce que vous avancez là? On a Tobias. Caméra. Et on a moi. Non, mais ça, par contre, ça. La caméra là, qu'est-ce qu'elle a à voir avec le LSPD? J'ai subi mentalement, moi, j'ai regardé. Non, bah, de toute façon, il est dans les dossiers du LSPD, vous allez bien voir son dossier. Ok, mais c'est deux dossiers différents, hein, par contre. Ah, c'est pas le même billet, du coup. Ah non, c'est pas le même billet. Merde. Il y aura plusieurs billets. Il va falloir. Oh, c'est encore mieux, il y aura plusieurs, bah oui. Ils sont divisés. Recto, verso.
Moi, ça fait plus. Oh là là, okay, Non mais Coleman, là par contre, on est très sérieux par rapport à l'histoire du LSPD, c'est très sérieux. Hein. C'est à cause de l'LSPD du racisme qu'il a été éjecté. Hein. Ça pour deux. Il y a combien de temps de cela? Oh, il y a un an environ. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi ne pas m'avoir contacté? Mais parce que vous n'étiez pas encore en ville, monsieur Coleman. Ah bah si, il y a un an. Eh ben on se connaissait pas encore, monsieur Coleman. Je ne connaissais pas. Eh oui. Pourtant, moi j'en cherche des juifs, des avocats juifs, mais j'en trouve pas. Je te jure, j'en trouve pas. Des fois dans la nuit, je me lève à 3h du matin, je vais taper au synagogue. Est-ce qu'il y a des juifs ici? Il n'y a personne qui me répond. Ouais, mais hein. les avocats juifs ne prennent pas dans les synagogues. Eh merde, putain, mais moi on me dit rien aussi. De nuit. À 3h du matin, il y a encore moins de chance, je pense. Putain, fichier, je savais pas. Oui, Hamid. Il y a une personne qui souhaiterait avoir un menu gratuit contre une chanson, et je pense que c'était la même personne qui faisait la chanson. Ah, ok, on arrive. Ok, c'est parfait. Bon, Maître Coleman, on va fêter ça avec un petit concert, elle est venue. Ah, bonsoir. Bonsoir. Je me suis permis, j'aimerais savoir si on pouvait faire négociation, chanson contre menu. Ouais, oui, bien sûr. Mais incroyable! S'il vous plaît, dans la salle, un peu de silence. J'ai envoyé la musique. Ouais. Il est trop chaud. Chut. Ok. Oh, stylé. Oh. Mais non. Prenez-le. Ah, il est bon, hein. Ah, il est chaud. C'est fort, Mais incroyable, j'ai l'impression à chaque fois tu reviens encore plus fort. C'est vrai en plus, c'est réel. Putain. Donnez-lui deux. Hamid, 4 menus pour monsieur. C'est fait. Je vous voulais autre chanson. Ouais, je veux une autre chanson, ouais. Je vais faire chanson, je sais, chant populaire qui s'appelle... Comment? Bella Ciao. Mais non. Oh, ça me dit quelque chose. Ah oui, Bella Ciao, tu connais. Ça me dit quelque chose. Rappelle-toi, Far Cry 6, le jardin. Mais non. Il faut 7 danses pour Bella Ciao. Una mattina mi son svegliato, bella ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso, partigiano. Le burger shot. E dirà ok bel fior. Ok. Partigiano. Ciao. Morto per la libertà. Morto per la libertà. Libertà. Putain. Eh Sergueï, dis-moi, t'as des réseaux sur Zoop ou quoi? J'ai des réseaux, j'ai fait niet, j'ai rien du tout. Oh merde, sérieux? Oh merde. Mais il faut entre net.
cherche Sergueï Krasov. Sergueï Krasov ? Je suis à peu près sûr que ça se prononce pas le H. Yo, c'est là ou quoi ? Si, monsieur Philippe. Ok. T'es quoi, t'es une tête de cacahuète, on a gagné. T'as une tête de Winman, je parle avec moi. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il y a ? T'as une tête de point Winrar. T'es pas t'es compressé, Roya. T'as un point RPF. Extraire ici, attends, je vais t'extraire ici, Roya. Bouge pas. Mathilde.